Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité en Corse de ce lundi 13 juillet, prise de température des passagers mise en place dans les aéroports avec un petit peu de retard. Les caméras thermiques sont opérationnelles à Porretta depuis ce matin. Elles s'inscrivent dans le cadre des mesures de contrôle sanitaire de l'épidémie de Covid. Annoncé il y a déjà deux semaines, il manquait en fait un décret pour pouvoir autoriser ce dispositif dont le coût s'élèvera à 800 000 euros sur l'ensemble de la saison pour les chambres de commerce et d'industrie. Le dispositif sera étendu dans la journée et les prochains jours aux trois autres aéroports insulaires. Pas d'obligation pour les passagers, mais une information et un appel à la responsabilité individuelle. On a fait cette hypothèse que les personnes présentant une température supérieure à 38 devaient être informées. Et donc c'est tout ce cheminement. Dès lors qu'une personne effectivement est détectée à une température supérieure à 38, on l'invite finalement à se rendre autour d'une petite table où on lui remet le flyer et de l'information, et notamment de faire le 116-117 pour consulter et ensuite faire le test. C'est d'élever le niveau de conscience des gens, c'est ça qui est important pour nous. Donc à partir de là, naturellement, on met en place, comme vous avez pu le voir, des panneaux, des annonces, des fiches, des prises de température. On prévient aussi tous nos ressortissants qui ont des hôtels, des campings, etc., de prendre les mêmes mesures, en tout cas de s'attacher à ce que les mesures des gestes barrières soient prises.